Alexe, le seul homme de l'humanité qui trouve qu'une femme en talons, ce n'est pas excitant. Alexe, on t'écoute. C'est pas que c'est pas excitant, mais c'est pas mon délire, voilà. Je préfère petite basket, on est bien. Mais tu viens de me dire, allez, ouais, je déteste, je vois pas ce que vous avez avec ça. De quoi? Oui, bah avec les talons. Bah c'est aussi parce que je suis petit. Oh, tu me diras, t'es pas plus grand que moi. Mais je sais pas, Mika aussi. Je sais pas ce que vous avez avec les talons, mec. Mais les talons, ça habille une femme, c'est magnifique. Oh, bon, c'est aussi peut-être parce que du coup, quand elle les porte, elles sont toutes plus grandes que moi. Bon, sauf une. Mais c'est beau. Ouais, mais elles sont belles et lancées, on dirait un cheval. Ouais, bah je préfère quand elle capte dans un autre sens. Bah, bref. Oh, putain. Oh, ah, ouais, non, mais. Ah, tu connais la vélo. Ah, tu connais la vélo. Merde. Attends, décris-moi pour toi l'outfit le plus beau pour une femme. Genre vraiment où ça te rend dingue. Les C'est ce que j'allais te sortir, mais c'est pas vrai, les ballerines, mais je rigole. C'est non, pas vas-y, ça. Dis, s'il te plaît, vite. Non, des petites Vans, j'aime bien, je sais pas, je trouve ça sympa, tu sais, c'est mignon. Ouais, mais du coup, tu vois, c'est. Bon, t'as 10 ans de plus que moi aussi. Non, mais qu'est-ce qui te rend fou, genre? Genre, comment elle doit être habillée pour vraiment que tu te tapes la tête contre le pare-choc? Non, mais non, je vais pas dire parce que c'est complètement. Dis des choses! Mais non, je vais pas dire! Non, je vais pas dire. T'es un adepte du legging, ça laisse. Ta gueule, t'es vraiment une merde. C'est vrai, non? Bon, écoute, on est bientôt arrivé chez toi, là. Hein, donc, je pense que ça serait bien d'arrêter la story. Oh, putain, la jeunesse, putain. Non, moi, je trouve que c'est très joli. Et toi aussi, t'es mauvais, donc. Non, mais oui, mais bien sûr. Oui. Mais à mon époque, Alex, tu sais, le comble de la crasse, qu'est-ce que c'était? C'était quoi? Leggings talons. Ah, putain, ouais, non, non. Il y en avait, elle faisait ça. C'était... Ouais, là, on était sur un truc particulier. Non, ça, c'est trop. Bah, tu sais que quand elle est habillée comme ça, c'est que tu vas pas du tout jouer au Monopoly ou au Scrabble, tu vois. Ça n'a rien à voir, Alex. Oui, oui. Tu es les hommes, vous. Oui, ah! Hey, commence pas. Hein? Commence pas. Tu sais comment Jenny était habillée quand je l'ai rencontrée? Comment? Putain, je vais faire une autre story. Quand j'ai rencontré Jenny, frérot, elle avait un espèce de gym slim tout noir avec des beaux talons et une chemise rentrée à l'intérieur de son jean et une veste en jean bleu par-dessus. Elle avait une queue de cheval. Tu vois, ça, c'est élégant, Alex. Ça, c'est très bien, tu vois. Mais toi, juste... tu viens me parler de leggings et de Vans. Non, non, mais non, non, j'ai pas qu'est-ce parlé de leggings. Qu'est-ce qu'on fait, on se roule un bédo, frérot? Si tu veux, j'en ai à la maison. Mais non, je rigole, c'est pas vrai. Mais si tu veux, ça, c'est parfait. Juste sans les talons, tu vois. Parfait. Pour moi, c'est bien. Mais les talons, ça habille une femme, mon gars. Ouais, enfin, ça dépend quel talon, hein. Aussi, déjà pour commencer. Non, puis... pas les talons de Zozo où on lui voit le doigt de pied, on dirait un Cayenne Turbo. Moi, je te parle de beaux talons. Doigt de pied, ou... Je te parle d'un des. De beaux talons, frérot. Yves non, Saint-Laurent, après, non, en vrai, si, le si, boutin si. Et en tout vrai, ça, c'est beau. En vrai, si, je trouve ça, c'est beau, mais c'est pas mon délire. Je trouve ça beau, hein, mais c'est pas mon délire. Est-ce que j'ai le droit de mettre la sirène chez toi dans ton pavillon? Ouais, c'est pas un pavillon, mon gars. Mais tu peux me dégager ce connard là. Je peux te dégager ce connard? Ouais, je peux plus me les voir, vas-y. Attends, je crois qu'on le connaît en plus, donc. Qui c'est qui? Attends, je crois, je suis pas sûr. Mais non? Non, c'est pas lui. C'est pas lui? Putain, mais. Mais poussez-vous, connard! Toujours est-il, mon cher Alex, que de mon époque, frérot, bah déjà, on les femmes. Ouais, mais c'est nous les vrais hommes. Franchement, je suis d'accord. Non, franchement, je suis d'accord. Nous, on se castagnait toute la journée, frérot. Bah, comme les femmes de l'époque, c'est les vraies femmes. Hein. Les frérot, les femmes à l'époque, il y avait une mode, j'ai adoré cette mode-là. C'était le jean diesel presque blanc délavé, les cuissardes à talons. Et le blouson en cuir. Qu'est-ce que c'était bien cette époque. Non, ça te dit rien, ça te parle pas. Toi. Ça te fait pas rêver. C'est hein. c'est pas Britney. Enfin, Britney Spears était habillée comme ça à un moment, non? Tu me parles de Britney Spears, je sais pas qui c'est moi. Oh allez, arrête. Mec, elle est de 2003 avec les hits. T'écoutes Britney Spears, gros? Certains titres, les vieux, ouais. Aujourd'hui, j'en ai écouté, ouais. Aujourd'hui, t'as écouté du Britney Spears? J'ai aussi écouté du Michael Jackson, donc allez, arrête. Michael Jackson, c'est différent. Malgré, évidemment que c'est différent, toi. Malgré que ça soit vraiment une sombre personne qui a fait des choses. Oui, c'est vrai que voilà. Pas catholique, frérot. Pas du tout catholique. Ça. Mais ça reste pour moi le plus grand artiste de tous les temps. Et il est milliardaire. Et il est quoi? Il est milliardaire. Pourquoi tout de suite tu parles d'argent? Pourquoi l'argent, Alex? Parce que l'argent. Pourquoi l'argent tout de suite? Pourquoi es-tu comme ça avec les dents aiguisées? Pourquoi tu me parles pas de Bill Gates? Parce que je suis un requin, moi. Tu vois le requin dans James Bond? Déjà, je bande James Bond et parce que c'est bon. Si, faut que je tourne. Voilà, c'est bon. Mais toi, t'es Nemo, frérot. Hein, Nemo? Bah, évidemment, mais c'est sûr que j'ai pas le requin dans. Je suis même Dora, moi. Oh putain, qu'est-ce que c'est serré ici. Ouais. Putain, je peux plus me la voir, cette ville de merde. Ah, putain, je pense qu'on va aller vivre dans le sud. Je te jure. Putain, une belle maison à Aise là. C'est parti.